tellement vite que si on s'informe pas, on peut être largué très très rapidement et être complètement déphasé avec la vie tout court, quoi. Si on s'informe pas, on peut pas communiquer avec les autres, en tout cas pas sur des sujets qui importent. Puis pour soi-même, s'informer, ça permet de garder une ouverture d'esprit. Le propre des dictatures qui contrôlent la population, c'est de contrôler l'information. Pour moi, l'information, c'est grâce aux réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent leurs avis ou qui discutent de l'actualité ou tout ce qui est bon à savoir ou qui peut être aussi mauvais à savoir, mais ça nous aide beaucoup à beaucoup savoir de choses. Je demande pas à être informée sur tout, mais il y a des choses où oui, je trouve que c'est assez important que je sois au courant de ce qui se passe. C'est un petit peu pour être en reparler avec mes amis ou quand on m'en parle, pouvoir en discuter, être au courant du sujet et de tout ce qui se passe. Je sais pas si ça pourra m'aider, mais je pense qu'il y aura certaines actualités que j'ai appris maintenant qui me serviront à faire des débats ou des choses comme ça. Oui, c'est très important pour moi d'être informée parce que avec l'information, on peut savoir où on va et comment évoluer dans la société actuelle. Pour moi, c'est important d'être informé, genre pour savoir ce qui se passe dans le monde, genre pour pas se sentir isolé et puis de voir les nouvelles actualités, genre d'être tenu, d'être mis au courant de tout ce qui se passe en fait. Les réseaux sociaux, les journaux, les médias, c'est une source d'informations, vérité et fausse. Il faut savoir faire le tri entre tout ça, savoir le faux du vrai pour en tirer le meilleur. C'est important dans le sens où ça m'aide à prendre pas des décisions, mais à ajuster le comportement, les réactions, comment parler aux autres. Ça aide dans la vie tous les jours, pas sur l'instant T, mais sur après. C'est progressif. Bah, en tant qu'adolescent, je trouve que c'est bien d'être informé à notre âge pour que quand on sera adulte, on sera cultivé et je trouve que c'est bien d'être informé du coup. Oui, c'est important pour moi parce que ça me dit plein de choses quand je suis informé. Surtout à chaque matin quand je vais sortir là. Donc j'ai besoin de l'information avant de sortir. Si je suis informé, je pense que je vais bien débuter ma journée. Ça me fait une ouverture au monde. Bon, c'est important d'être informé de la vie courante. Il est obligé à chaque fois de prendre des nouvelles. Et puis oui, c'est très important pour un être humain. Ben pourquoi? Ben, deux fois même, ça peut prévenir. Bon, par exemple, comme le cas du météo, par exemple, s'il doit pleuvoir ou s'il doit pleuvoir... Ça peut t'aider aussi. Ça aide beaucoup. En matière de politique aussi, ouais. Ça prévient des choses. Lydia, moi, je suis un petit peu curieux. J'aime bien un peu tout savoir. Après, c'est bien de savoir, mais c'est peut-être pas trop bon de tout savoir non plus parce qu'après, ça peut rendre peut-être anxieux. Et ça peut même faire peur si vraiment on écoute tout, quoi. On peut vraiment penser à des trucs bizarres, quoi. On entend souvent que si ça continue comme ça, il va y avoir une... Troisième guerre mondiale, des choses comme ça, et en vrai, je pense pas que les gens ont envie d'en faire une autre, quoi. Ça peut faire tourner la tête, en vrai, d'avoir trop d'informations, de savoir trop de choses, comme ça, tout ce qui se passe dans le monde. Bah pour moi, c'est important d'être informé, parce que ça nous permet de mieux comprendre le monde autour de nous. On a forcément besoin d'être informé une fois dans sa vie, plusieurs fois même. Ça peut nous permettre d'éviter certains problèmes ou de mieux comprendre notre entourage. Et je pense que l'information, c'est vraiment très important, même pour des jeunes, parce que ça peut nous aider dans notre développement à la vie et à la vie d'adulte. L'information, c'est hyper important. Il faut être curieux, toujours essayer d'être au maximum informé de ce qu'on peut. Et moi, pour moi, je suis informé, pas sur tout, parce que des fois, il y a du truc où je suis pas au courant. Moi, je pense que je suis bien informé quand même. En fait, l'information en général, ça m'intéresse de base. Tout savoir, je trouve que c'est important. Après, il y a des trucs qui m'intéressent moi. Par exemple, si j'ai des informations sur l'économie ou sur la politique, peut-être qu'après, à la fin, ça sera important et que j'aimerais être informé dessus. L'actualité, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas envie de rentrer dedans, ça a l'air bizarre. J'attends d'être grand pour comprendre. Pour moi, l'actualité, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. En France aussi, les problèmes qui se passent et la politique aussi. Cette actualité, bah, elle est... Je sais pas comment dire, mais c'est compliqué. Il y a trop de problèmes et des débats qui n'ont pas lieu d'être. Il faut un petit peu se forcer à parler, à faire des recherches, à lire, pour s'informer des choses. Si je veux prendre des connaissances et m'enrichir, c'est pour moi, ma propre personne et ma conscience.